vous êtes optimiste ou pessimiste pour 2023 ? Alors d'abord, quand on est dans l'industrie, on est toujours optimiste. Et on est optimiste parce que 2023 devrait quand même être une meilleure année que 2022. L'environnement reste compliqué à de nombreux titres, mais oui, on est optimiste. C'est difficile quand même d'y voir clair entre ces commandes records et puis tous ces vents contraires qui vous arrivent sur la hausse de l'énergie, sur les recrutements. Comment vous arrivez-vous à mettre un cap ? Alors, les clients sont là, la demande est forte. Et la difficulté, c'est de livrer. Ouais. Et donc, effectivement, il y a une contradiction très, très forte entre un marché qui est devenu très porteur et une incapacité à servir ce marché comme on aimerait le faire. Un grand changement par rapport à 2020-2021, où on avait une crise de la demande. Et là, on a vraiment une crise de l'offre et dans de nombreuses dimensions. Mais c'est le challenge aussi pour 2023 d'arriver à faire cette montée en cadence de l'industrie aérospatiale qui bénéficie finalement d'une situation très, très favorable au niveau macroéconomique, au niveau marché, mais de grandes difficultés à exécuter. Et par exemple, ça vaut pour tous les industriels hein, de l'industrie d'aéronautique et de défense qui ont dû, effectivement, pendant le confinement, baisser en cadence et puis là, re-augmenter. Ça vaut pour les motoristes, ça vaut pour les sous-traitants. Ça vaut pour Airbus. Vous aviez prévu de livrer 700 avions en 2022. Vous ne serez pas loin des 600, si j'ai bien compris, non ? Non, vous n'avez pas totalement compris, Christophe. À combien, alors ? Je ne le dirai pas aujourd'hui. Mais l'objectif est raté, quand même. Mais vous faites un point très important. On avait commencé l'année en ayant une guidance, un objectif de 720 avions. Mmh. On l'a réduit en milieu d'année de 720 à 700. Et effectivement, à la fin de l'année dernière, on a retiré notre objectif de 700 parce qu'on a vu qu'on n'y arriverait pas. Donc on sera en dessous des 700. On verra le 10 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine. J'ai essayé. Quel est le chiffre exact ? Oui, bien tenté. et donc c'est effectivement un vrai souci. Oui, pour vos clients, les compagnies aériennes beaucoup notamment. Beaucoup de regrets et beaucoup de frustration parce que la demande est là, parce que les compagnies aériennes ont besoin de ces avions. Ça vous coûte cher, ça, d'être en retard sur une livraison quand une compagnie aérienne ne voit pas son avion arriver ? Ah ben, un avion, c'est rentable. Donc, Est-ce que vous pénalisez ? Est-ce que vous avez des amendes ? On trouve des solutions avec nos clients qui ont besoin de nous. Ils comprennent la situation. Parfois, on a des délais qui sont excusables quand nos grands fournisseurs ne sont pas capables de nous livrer. Donc, ça dépend des contrats qu'on a. Mais non, c'est toujours défavorable de ne pas être capable de livrer.